Allez, salut tout le monde, ici iPlay4U, on attaque une toute nouvelle aventure suivie en multijoueur sur le thème de la momie. Et comme je viens de le dire, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon ami Bilou. Salut Bilou. Coucou iPlay, coucou les gens. Nous accueillons aussi LR6. Hello, bonjour. LR6 qui est malade, attention. J'ai chopé froid. Il est déjà atteint de la malédiction de la momie. Nous avons aussi le voleur de Twix, Wolfegon. Ah, on a perdu Wolf. Il s'est fait choper pour ses méfaits, c'est pas grave. C'est ça, non, mais c'est pas ça, non, personne m'a entendu. Ah bah ça commence bien. Ça commence non. Ça commence salut super Wolf. Bien, voilà. Bah tu sais quoi, c'est la malédiction du Twix qui est en train de nous... C'est la malédiction du Twix. Voilà. On est donc sur une carte qui reprend le thème de la momie construite par mon équipe. Alors ça reprend juste le thème, c'est pas une reproduction du film, c'est-à-dire qu'on est sur un thème style égyptien avec pyramides, temples, sphinx, etc. etc. Nous incarnons chacun un personnage, donc j'incarne O'Connell, un aventurier qui a trouvé la cité d'Amunaktra et qui a été emprisonné. Je suis avec Wolf, puisque bah, c'est un compagnon de route et il est emprisonné avec moi. Et il y a Bidoulette et LR6 qui sont de leur côté, donc pendant ce premier épisode nous sommes séparés. Nous allons avoir un canal de discussion différent, puis à la fin de l'épisode on se regroupera pour faire l'aventure ensemble. Voilà, je vous propose tout de suite de commencer cette aventure, c'est parti, let's go. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Relégeant, donc je suis avec copain LR6 qui va nous lire son livre et ensuite je vous lirai le mien. Hey, John LR6, donc c'est moi, s'était retrouvé seul avec sa sœur à la mort de leurs parents. Il n'avait jamais été le plus courageux des hommes, mais il s'était toujours débrouillé pour vivre. Récemment, il avait réussi à voler une amulette à un prisonnier. Malheureusement, le directeur avait vite compris ce qu'il avait fait et donc le lui avait confisqué. Il devait donc absolument aller lui parler pour tenter de récupérer son amulette. Pas de point pour finir la phrase. T'es bête. Alors sa sœur, c'est moi, figurez-vous. Evely Loulette. Oui, je suis bien garni, hein. Je suis bien encadré. T'es bien garni, ouais. Je suis verni, je me suis gouré. C'est ça, ouais, t'es bien garni. Alors, Evely Loulette était une enfant d'archéologues qui lui ont légué leur passion pour l'Égypte antique. Ce n'est que tout naturellement qu'elle est devenue égyptologue. Malheureusement, ils sont morts et il ne lui restait que son frère John LR6, ou Jean LR6, au choix. Si celui-ci n'était pas l'homme le plus courageux ni le plus intelligent du monde, il restait sa seule famille et elle se devait de l'aider. Voilà, donc en clair, j'ai mon boulet et je vais faire avec. Surtout maintenant que le directeur du musée lui avait confisqué une amulette, elle comptait donc bien discuter avec le directeur, et vite. Donc j'ai vu un message qui indiquait que le directeur était à l'étage, donc je prends mon boulet et on va à l'étage. Qu'est-ce qu'il te répond le boulet, espèce de grognasse ? Allez, viens mon boulet. Attends, boulet, 2 secondes, je mets mon armure. Ne sois pas méchant avec moi. Pourtant, une armure de chevalier en Égypte, c'est tout à fait normal. Allez, go. Donc l'étage, bah, il doit y avoir un escalier, je suppose. Hop. Ouais, c'est ça, il est là. Alors, on me demande... Stitch. C'est pas vrai, ça commence déjà. Mais what the fuck, mais ça fait quoi, là? Extraterrestre. Personnages Walt Disney russe. Non, mais sérieusement. Super pirate. Alors, on me demandera certainement pourquoi est-ce que je ne filme pas. C'est parce que j'ai de gros problèmes graphiques avec mon ordinateur. J'ai essayé de filmer, là, depuis le début de l'épisode, j'ai essayé de filmer, mais je tourne à 10 frames par seconde, donc c'est absolument pas présentable, je suis vraiment désolé. Et il faut absolument que j'essaye de régler ça, parce que ça, c'est pas seulement sur la momie, c'est dans tout Minecraft, depuis que j'ai changé de matériel graphique. Tiens, et je vous prie de ne pas me donner de conseils sur comment résoudre le problème dans les commentaires, parce que j'ai déjà tout lu et entendu, et ça m'a plus énervé qu'autre chose. Notamment, oui, mais c'est parce que Minecraft c'est fait en Java, c'est tout pourri, tu verras, quand ils feront une version C, ce sera mieux. Et je m'en fous, je veux pas attendre une version C. Alors, j'ai trouvé le directeur, il est allongé, je vous lis. Ou je vous interprète ce qu'il dit. Mais c'est bon, mais c'est. Le directeur est allongé. Maudite fiole de soufre, l'une d'entre elles m'a explosé entre les mains et me voilà tout contusionnus. Il me faudrait des soins médicaux. Je crois que le conservatoire du musée a de quoi me soigner. Il est probablement dans son laboratoire à côté. Il saura vous récompenser pour votre aide. Ok. Tu sais que tu me fais peur, Sœurette, parce que là, t'arrives dans la salle. Oh, le conservateur est allongé, a plein de sang, c'est pas grave, je vais lire ce qu'il me dit. Oh oui, parce que bon... Ok, alors, il est où? C'est de l'autre côté. Il est de l'autre côté, je pense. Voilà. Non, c'est dehors. Oh, regardez ça, les étoiles.
Wow. La momification est réservée aux personnes puissantes telles que le pharaon lui-même. Attends, moi, je suis de... Oh, je leur monte les cieux. Oh, mais c'est pas là qu'il fallait sortir, Mélo. Je sais, mais c'est beau, regarde. Et en plus, mes cieux, ils sont plus beaux que les tiens, voilà. Non, t'as pas de beaux cieux. J'allais la faire. T'as de beaux cieux. Ouais, t'as de beaux cieux. Et ça, c'est quoi? Ceci est une authentique momie du temps de tout ton camion. Mm-hmm. Elle a les yeux ouverts, ta momie. Hein. Fabrication d'une momie vue par un Égyptien. Oh. Non, ils savaient déjà faire de la 3D, les Égyptiens, à l'époque. On n'arrête pas le progrès. C'est ça. Alors, ça, c'est encore dehors. Salut, Milk. Laboratoire. Du conservatoire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Conservateur. Comment ça, le directeur est blessé? Il vous faudrait des bandages et du désinfectant. Ramenez-moi ça. L'infirmière dans la cave devrait avoir du désinfectant. Est-ce qu'on a le droit de piquer le contenu des tableaux? Non. Tu n'as le droit que de prendre ce qu'il y a dans les coffres. Il y avait un lingot de fer, c'est sadique. Ah ouais. Alors, l'infirmière, il a dit... Mais attends-moi, chouchou. T'es déjà repartu. Mais non, Julien, oh, c'est bon. Oh, mais attends, je vais mettre de la musique, moi, puisque je filme. Alors, attends, parce que... Je te demande juste une petite seconde. Je vais baisser la sensibilité de ma souris, qui est trop rapide. Hein. Ah. Voilà, c'est mieux. Alors, remonte la sensibilité, je tousse trop. C'est con. C'est alors, lié. Où est-ce qu'on va au sous-sol, à ton avis, par où on passe? Alors, il doit y avoir un escalier sous-escalier, je dirais. Coffre. Oh, j'ai une perle. Information. Il y a des cartes. Et des arabes. Mm-hmm. Oh, pardon, raciste. Non, un mais... aquarium. Tu veux genre, il n'y a pas de poisson dans l'aquarium. Bon, mais t'es où? À l'aquarium, sous l'escalier. Regarde, en tournant l'escalier. Il y a un aquarium. Déjà pour mais... T'es où, Bilou? Attends, il y a un pied de l'escalier. Je suis au pied de l'escalier. De l'autre côté. De l'autre pied. Ah. Regarde, hop. Il y a un aquarium, mais il n'y a pas de poisson dedans, c'est nul. Bon, et on cherche et le sous-sol, en fait. Accès interdit au sous-sol. Seul le conservateur peut vous autoriser à entrer. Ah ben voilà. Ben, il nous a autorisé. Bon, bah, y a pas de problème, hein. Alors. Ah, en fait, c'était pas la sensibilité de ma souris, c'est que j'ai un niveau de FPS, de nain, en fait. Infirmerie, bah voilà. Désinfectant. Ah, cool, et t'as des pansements? Et j'ai des bandages. Génial. 8 bandages, tu crois que ça ira? 8, bah oui, garde-les. On va les amener. Est-ce qu'il y a d'autres réserves? Du sucre, on en a rien à fiche. Ah, salle de test. Oh, putain. Oui, ah on non a un stock de bandages. Oh non, il y a des seaux. Quoi? Il y a des salles de test avec des seaux. C'est toi la sotte. Non. Regarde. Oh, je prends celle de droite, tu prends celle de gauche? Mais tu crois qu'il faut le faire? Bah oui, il y a des leviers. Bah voilà, je suis tombé à l'eau, hein, ça commence. Mais il nous a dit de trouver des bandages, pas d'aller sauter. Oui, bah écoute... Oh, je te jure. Désolé, ah bah pour voilà. Bander quelqu'un, il faut sauter. Excuse-moi. Pour bander quelqu'un, il faut... Non, mais tu vas te calmer. Ok, bon, bah alors je suis déjà tombé 2-3 fois, je crois. T'inquiète, ils auront pas compris. Et alors, chouchou, il faudra que tu m'indiques tout à l'heure. Mais... Oh bon, je crois que je vais vous faire une micro-pause pour enlever les shaders. Mais t'es déjà au bout, toi. Oui, bah en fait, apparemment, ils ont fait une petite faille de sécu dans leur truc. Ah, c'est pas à moi que ça serait arrivé. Je vais enlever les shaders. Je vous reprends. À tout de suite. Ah tiens, c'est bizarre ça. Re tout le monde. Alors désolé, c'est moins joli, c'est clair. Mais alors par contre, je vous dis pas comment j'y ai gagné en FPS. Oh dis donc bon, là. C'est pas pour ça que j'arrive tu triches, à sauter. Là, tu gagnes au FPS. Pousse-toi, chouchou. Bon, écoute, ça me gave. Bon, je réessaye encore une fois. Ah putain, mais c'est toujours de saut. Je veux dire, on va y arriver. Non, oh, mais non, je tombe après, bon. Moi, je suis pas faite pour ça. Eh oh, tu triches pas, là? Bah non, je triche pas, regarde. T'y arrives, toi? Oui. Putain, comment tu fais? Je suis doué. La porte du laboratoire, est ouverte. Mais, Moi, je me baigne, là, là, là. Je savais pas qu'il fallait aller dans un labo, en fait. Bah, apparemment, il y a une mini-quête annexe, je pense. D'accord. Alors, crypt stock. Non.
Ça. Oh, un steak, ça. Archi. Toc d'ossement. Attends, je vais prendre ça là parce que. En foot, c'est script. C'est nul. Ah, c'est ça le stock. Des graines. Oh, du coal. Je vais prendre ça des fois qu'on ait besoin de monter quelque part. On a le droit de crafter de toute façon, non? Oui. Mannequin test. Oui. What the f. Ça, je m'en tape. Hein. Le coquillard, t'es où, chouchouche? Je sais pas, mais. Mannequin test. J'ai trouvé de l'or. Des lingots d'or. Ben super, ils ont ouvert la porte du laboratoire, mais il n'y a rien dans le labo. Ah bon? Stock d'ossements. C'était intéressant. Ben, je vais les prendre, des ossements, moi. Oh non, rien à faire. Mannequin test, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Ça, on s'en fout. Une trappe, mais il n'y a pas de bouton. Non. T'es où alors? Attends, parce que le labo, ah, le voilà. Je suis là-bas, mais il n'y a rien. Vraiment, tout est vide. Même dans les coffres. Même dans les coffres. Bon. Bon alors, il faut qu'on ramène au conservateur, là, viens. Et... On ramène les bandages au conservateur. Il n'y a pas l'assistant du conservateur, là? Ah non. Non, pas grave. J'ai bien l'assistant conservateur qui est au sous-sol. Perdu dans la paperasse. Alors, où qu'il est, l'escalier? Il est là. Excusez-moi. Attends-moi, chouchou, parce que je vais pas. Ah, d'ailleurs, tu veux pas me les donner pour que ce soit. Vu que toi, tu filmes pas. Ah, oui, si. Que ce soit moi qui bidule la quête. Oh, merci. Ah, bah voilà. Complète. Donc, tiens, je crois que ceci t'appartient, mais John, tu devrais peut-être rendre ça à celui à qui ça appartient, mais. Bon, ben bah, voilà. Hop, complète. Ah, bah ça y est, j'ai l'amulette. T'as une amulette? Ouais. Ok. Alors. Donc. Bon, oh, ben, on suppose qu'on a soigné le conservateur. C'est ça. Il est toujours en train de crever dans son bureau, mais on a ses bandages, donc c'est bon. Tu les as, les bandages, toi? Non, je te les ai donnés. Attends, c'est bizarre. Viens, je vais aller donner les bandages au directeur. Au cas où. Parce que c'est bizarre. Normalement, j'aurais pas dû avoir les bandages, je crois. Alors, attends. Hop, hop. Hop. Elle maudite fiole souffre. Ouais, merci, je vais pouvoir me soigner. Prenez cette récompense, elle vous sera utile, je pense. Je vais voir le conservateur. Il m'a donné une récompense, mais rien du tout. Ah ouais? Il t'a donné un truc, toi? Non, il a rien voulu, il m'a dit qu'il souffrait. Je vais voir le conservateur. C'est bugué? Alors, conservateur, d'accord. Il est où? New Quest, le directeur blessé. Je suis chez le conservateur, mais je peux pas lui donner les bandages. Conservateur? Non, t'es pas chez le conservateur. Si. C'est dans le laboratoire du conservateur. Il est là, le conservateur? Bah oui, c'est lui. C'est le directeur qui est blessé, pardon. Oh là là. Oui, mais c'est à lui qu'il fallait donner les bandages. Et tu lui as donné? Bah oui. Mais ouais, il voudrait le désinfectant. Et le désinfectant, moi, il a été transformé. Oh putain! Bon, vous savez quoi? On revient. À tout de suite, on va se renseigner auprès de l'équipe. Parce que je pense qu'il y a dû avoir un bidule comme il faut pas. Bref, on revient, à tout de suite. Coucou les gens! Bon, alors on est venu vous rejoindre parce qu'en fait, on a validé notre quête et il faut qu'on vienne vous rejoindre. Cool. Ah, d'accord. Ah bah, okay. C'est pas de refus. Donc, pas de refus parce que nous on n'arrête pas de se faire agresser tout à l'heure. Alors, comment tu t'appelles, Elarcis? Tu regardes sur ton guide où est la prison? C'est X267 et Z11 et je te suis. Alors, mon guide, la prison, dit quoi? Iplay, tu vas être très content, j'ai trouvé un diamant et un lingot d'or. Sérieux? 267-11. Ah, okay. La classe. Allez, on y va. Allez, je te suis. Et donc, on essaye de trouver la sortie de la prison, ce qui veut dire qu'on va peut-être se croiser à la fin, effectivement. Ouais, alors... normalement, on va essayer. Et puis on y va en courant, hein, voilà, c'est plus. Plus dynamique. J'ai un deuxième lingot de fer. Moi aussi, j'en ai un. Tous ses poumons et ses tripes. Alors. Prends tout ce que tu peux prendre. Oh, elle pas. Est belle la ville. Oh, bah, je vais les piller. Hein. Bon, si pas mince, mal de garde attaque ici. De garde, attention. Elle est belle hein, la ville. Ah, il y a un escalier ici pour descendre. Yep. Attends, la ville est magnifique, effectivement. Ouais. Y a pas énormément de bouffe hein, dans ces séries, donc c'est non. Bien de courir, mais on va pas avoir de bouffe. Ouais, moi j'ai remarqué que je courais trop. D'accord. Économiser la bouffe. Le beau jardin. Là, oula, ça m'a l'air bien grand ici. Ouais, ça a l'air
pas mal grand. Il y a un pas garde. Mal, j'aime bien, franchement. En plus, l'architecture et tout, c'est nickel. Ouais, c'est sympa, ça donne bien. Oh, ouais, attention, il y a plein de gardes là où je suis. Peut-être enlever le shader, moi, parce que je suis pas lent, mais je sais pas. Tu sais que j'ai été obligé de les enlever, moi. Moi aussi, ah ouais, j'étais obligé de les enlever. C'est dommage, moi, parce qu'avec, c'est juste magnifique. Je pouvais pas tourner avec. Ah, moi, j'arrive à tourner avec, je suis content, tiens. Par contre, les coffres à merde, ça... Ah, il y en a plein, ils aiment bien les coffres à merde. C'est qu'il y a de l'air dans les coffres, il n'y a rien dedans, il y a de la mousse. En tous les cas, un grand bravo à l'équipe d'iPlay parce qu'elle déchire la ville. Hein. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. De plus, effectivement, ils ont vraiment fait un travail d'architecture. La demeure est sublime, sublime. Puis là, nous, on se balade dans la ville, c'est vraiment beau, quoi. Alors, les fours, que dalle. Ah, vous êtes dans la ville, vous, putain. 267.11. Tu sais que moi je prends quand même des torches de redstone parce que je sais pas pourquoi, on pourrait peut-être en avoir besoin. Ouais, exact. Ah, pas quelque chose. Pris 3. T'as pas tort. Wolf, il y a quelque chose, il faut utiliser la clé pour sortir. Utiliser la clé 2. Ouais, mais ça voudrait. C'est un levier. Et quand tu prends ce levier, c'est écrit clé 2 quand tu l'utilises? Non, c'est pas écrit clé 2. C'est que ça doit pas être bon alors. Yes. 3. Si, tu crois? Bah écoute, il y a plus de garde étonnamment. Maintenant. Oh là, dis donc. Pardon. Nous venons d'assister au décès en direct. Nous venons mais non, mais il y a des crocodiles qui nous ont attaqués sans prévenir. Ah bah c'est sûr que le croco, il va pas te dire coucou, je peux te croquer. Non, il va pas taper la discute avec toi. Il pourrait. Ah, ils sont là, vous êtes là, regardez, on est juste à côté de vous. Oh la vache, y en a plein. Vous nous voyez? Il est où? Ah ouais. Où ça? Faites demi-tour, regardez nos pseudos. Ouais, faites demi-tour, passez par la porte. Ah, attends, je me fais agresser. La porte, elle est là-bas. Viens là. Attends, on va leur ah si, moi ça y est, je vous vois, vous êtes dans le coin, vous êtes en train de vous battre contre des crocos. On est c'est derrière ça. La grille. Regardez oui, demi-tour. Et l'arcis. Aidez-nous. Seconde, je suis en train de courir. C'est tout. Bon, ça voilà, y est, alors attends. Faites le tour de ce bâtiment, il doit y avoir l'entrée. Attention, il y a un creeper pas loin de vous. Je... Ouais, il doit y avoir une entrée. Vous voyez, voilà, il y a un creeper. Oui, je l'ai l'entrée. Et l'arcis, attends, moi, tu vois comment tu c'est toujours pareil. Attention, c'est là l'entrée. Faites le tour. Ouais, laisse continuer. Eh bien, Milou, mais je sais pas. Il faut sortir avec un levier. Bah, tu sais quoi, t'en as trouvé un. Je suis en moins de 267. Ok, moins 11. D'accord. Mais non, mais ça, tu sais bien. C'est à moi que tu t'adresses là. Comment tu veux 267 moins 11. Allez, viens, Wolf. Ah, la porte est ouverte. Déjà Oui, c'est nous qu'on l'a ouverte. Ah, c'est nous qu'on l'a ouverte. D'accord. Putain, c'est un cochon, il m'a fait peur, le con. Pourquoi il y a joué du grenier? Mais attends, c'est un garde, il nous a pas capté? Bah, écoute, c'est un garde corrompu, on va dire. Il y a Fred. Ah oui, il est toujours du grenier. Alors vous êtes où là? Il y a du monde ici. Oh, ça y est, on est là. Coucou. Hey, bah, coucou. Les amis. Hey, voilà. Coucou. Ça y est, on s'est retrouvés. Ça va les garçons? Vous êtes venus nous libérer? Ça va bien. Qui tape? Ça va pas. Ouais. Bah, personne. Il y a Fred, qu'est-ce qu'il fout là? Bah, alors moi j'ai plus de vie, il faudrait que je mange par contre parce que. Parlez à ce PNJ. Ah. Alors attendez, il nous parle. Je ne pense pas que Monsieur O'Connell et son ami aient la possibilité de sortir un jour, à moins que, oh, une amulette d'Amunaptra. Il semble qu'il y ait peut-être un moyen de s'arranger. Retrouvez-moi à l'hôtel, je vous expliquerai tout là-bas. Nous serons mieux assis. Retrouvez-moi à l'hôtel. Il faut qu'on trouve l'hôtel. On a un livre de coordonnées, je crois, non? Étant. Alors 268 moi -218 moins 217. Suivez-moi. Eh ben, voilà, attends. Super. Deux secondes. Attends, pour info, j'ai des steaks. Hein. Ah, je veux bien, non, j'en ai encore un. Moi j'en ai encore tiens, tiens, zéro. Je t'en donne d'autres. Iplay. Faut vraiment. Wow! Ah ouais, vous en avez beaucoup. Dessus. Moi j'ai plus rien du tout. Si je pouvais en avoir juste un, ça pourrait être cool. Un, j'en ai jeté deux au sol. Ah, il faut pas qu'on hésite beaucoup à observer les coffres pour vous trouver de la bouffe parce que ça va être critique dans cette aventure. C'est clair. La bouffe. Yep, c'est sûr. Juste pour information, j'ai réussi à trouver deux lingots de fer et un diamant jusqu'à maintenant. Ah ouais, moi j'ai peut deux lingots d'or. Être utile. Ah, il y a du cochon dehors, regardez. Il y a plein de cochons. Ah bah venez, on va se buter les cochons. Il faut les buter. Il y a du cochon? Ouais, on fait une pause cochon. Ah, des cochons en Égypte. Il y a plein de cochons. Il y a du poule. Il y a de la vache. Oh, il y avait un creeper aussi. Il y a du creeper aussi, j'ai l'impression. Il y a de la vache. Magnifique ici. Oh là là. Place là, c'est. Alors le tout étant. On va tuer des bêtes là. Après, il va falloir qu'on trouve de quoi les griller les bêtes aussi parce que. Putain de poule, c'est caché dans un brin d'herbe. Donc il y a plein de cochons, profitez-en. Moi j'ai la vieille habitude de tuer des moutons pour avoir de la viande. Pour avoir de la viande, c'est pas gagné. Bah disons que chez moi ça marche. Ah mais oui, c'est parce que t'as un mod. Et ouais. Un bâtiment en face qui est juste magnifique. Bon, j'ai récupéré de la bouffe. Oui, ah, crocodile. Je reviens vers vous. J'étais parti un peu loin. Ah purée, je me fais attaquer par un habitant. Ah bah Bart, non, c'est pas un habitant, c'est un. Ah je me fais. Oh purée. C'est Larcisse. Qu'est-ce qu'il dit? Tout le monde te tape. Comment vous dire que j'ai toute la smala derrière moi? Ah oui, attention.
Attention, bon, aussi. Bah je vais mourir. Ah ouais. Oh la vache, je crois que t'as dû taper un habitant et du coup ça l'a rendu toute la population hostile. Ah bah ça l'a rendu chonchon, comment te dire. Ah ouais. Moi aussi, putain. J'ai pas fait exprès, j'ai voulu me taper sur. J'ai voulu taper sur Il a voulu se taper, oui. Un crocodile et puis voilà. Bon alors attends, il y a une momie. Oh putain. Bon, on va j'ai récupéré tout mon stuff, c'est l'avantage. C'est bon. Ok. Alors ne pas taper les habitants. On note. Ne pas taper les habitants, ils ne sont pas contents aussi. Ok, bon, j'ai du steak cru, j'en ai 12. Tiens, il y a une vache. Hop. Par contre, faudra alors trouver moi, ce un que je propose, pour le bien de cette série et le bien des viewers surtout, c'est que ce soit Elarcis qui nous guide une seule personne en fait. Comme ça, on n'est pas en cacophonie générale à chaque épisode. Je suis alors, d'accord. Vas-y, Elarcis, on te suisque. En même temps, on va arrêter le premier épisode ici. Ils sont là, déjà toi. Et oui, on est déjà à 20 minutes. Oh la vache, on attend Wolf. Ah, mais il est là. Il est là. Je suis là, je suis revenu parmi les morts. Donc, alors, je sais pas pour vous, mais moi, le ciel est magnifique avec la c'est ce que j'allais dire. C'est sur ce ciel absolument splendide qu'on va vous abandonner. Hein, on se retrouve tous les 3 jours sur nos chaînes YouTube respectives. N'hésitez pas à aller dans le descriptif de cette vidéo. Vous aurez les points de vue de chacun. Parce qu'on va être amené parfois à se séparer, à voir des choses différentes. Et je vous remercie pour votre fidélité, les amis. Je vous remercie d'être là. Et on se retrouve d'ici 3 jours. Voilà. Bisous, les gens. Bye bye. Salut tout le monde. À plus.